Decoy, c'est bien. Le voir, c'est mieux. J'ai fait la connaissance d'une petite nana, qui a 25 ans. Mon père, il veut pas que je la voie. Attends, la suite. Hein. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Voilà, 25 ans, seul groupe souci, c'est que on est tombé amoureux l'un de l'autre. Je lui ai fait croire que j'avais 38 ans. Et ça fait depuis un mois que ça dure. Et je ne sais pas comment lui avouer, j'ai 52 ans. Quoi. Pensez peut-être m'aider par rapport à vous, je m'explique, peut-être l'appeler, et puis essayer de voir avec la radio, je ne sais pas si ça passera mieux ou pas, mais... Bien sûr, que, évidemment, mais si c'est dit par nous, bien sûr, elle va bien le prendre. Tu crois ? Avec notre élégance de charcutier. Oh, c'est le charcutier quand il déplie ses ailes, ça devient fou. Hein. Allô ? Bonjour. Oui. Estelle ? Oui. Bonjour Estelle. Ah, on ne se connaît pas. Hein. Moi, je m'appelle Sébastien. Je suis un copain de Patrice. Ah oui, d'accord. Voilà, qui m'a donné ton numéro de téléphone. Je suis avec un autre copain qui s'appelle Jean-Pierre. Bonjour. Voilà. Et on voulait lui faire une petite surprise. Oui. Dites-moi tout. Pour son anniversaire. Ouais. Voilà. Je voulais t'appeler. Et ouais, ce serait quoi cette surprise ? Alors, ça va être une double surprise. Oui. Pour toi, comme pour lui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait lui faire un petit gâteau. Ouais. Voilà, inviter quelques amis. Préparer des bougies. D'accord, c'est où ? Faudra peut-être organiser d'abord, je sais pas, vous avez pris une salle, quelque chose comme ça ? Ouais, bon, sinon il y a la salle de maison de retraite, il y a une salle derrière. Alors, est-ce que vous avez des bougies chez vous ? Oui, ça peut se trouver. Vous en avez combien en dispo ? À peu près. On va y aller comme ça. Oui, comme ça. Dans les tiroirs, t'as combien de bougies ? Je sais pas, il y a combien de bougies ? Je sais pas, il doit y avoir 2 paquets, 3 paquets de 10, je sais pas. 3 paquets de 10, faut en racheter. Un peu plus. D'accord. On essaye de le faire passer un message. L'idéal, ce serait que tu rachètes quelques bougies supplémentaires. Ah, pour son anniversaire ? Ouais, oui. une petite cinquantaine, un petit... Comment ça, 50 bougies ? Bon, d'après toi, il avait besoin de combien de bougies ? Pour son anniversaire, il va lui en falloir 39. Faut toujours en avoir un peu plus, tu sais, au cas où les premières, elles cassent. Moi, je dirais que si t'en avais 53, ce serait l'idéal. Non, mais 53, c'est trop, 39, ça suffit. Ou au pire, on en prend 40 ou quoi, mais... Non, c'est pas assez large. C'est pas assez large. En prendre large, ce serait 55, 56. Ouais. Ça, ce serait large. Non, mais pas 53, ça sert à rien, il faut pas 53. Comment te dire ? Estelle. Oh là là. Estelle, nous allons jouer ensemble au juste âge. Voilà. Estelle, quel âge a Patrice ? Il a 38 ans. C'est plus. Oh non, arrêtez, elle va rien comprendre. Non mais c'est quoi, enfin non, oui, je comprends pas, je sais pas. Oui, bah, il t'a pas donné l'âge qu'il a réellement. Nous on est des copains, on peut te le dire, voilà. Il a pas vraiment 38 ans. Il a pas vraiment, il m'a menti. C'est pas mentir, il a arrangé la vérité pour faire bien. Alors c'est plus, combien tu dis ? Non mais s'il a pas 38, il a quel âge ? Dis plus. Il y a la vitrine en jeu. Non mais c'est une blague là. Mais joue, tu peux gagner la vitrine, attends, il y a une voiture électrique dedans. Vas-y, alors, c'est pas 38, c'est plus, combien tu dis ? J'en sais rien, je sais pas, 40, il a voulu arrondir. C'est plus. C'est plus. Parce que quand il arrondit, il rigole pas, lui. Ouais. Mais je sais pas, mais arrêtez, là, vous me faites peur. Allez, joue avec toi. Mais il a pas 60 ans, quand même. Non, c'est moins. Non, mais arrêtez. Dis un âge. Mais je sais pas. Au juste prix, t'aurais perdu. Hein. Allez, bah, on continue, nous. 45. C'est plus. Non mais là vous foutez de ma gueule là. Non. Continue encore un peu. Il a plus de 50 ans ? C'est plus. Un petit peu. Mais donc si je fais le rapport avec les bougies, il a 53 ans quoi. C'est ça. C'est le juste après. Ouais. Merci Vincent. Merci Gérard. Je suis content d'être venu. Retrouvez toutes les vidéos sur koé.fr.